Il faut sortir de l'État centralisé. Il n'y a même pas une centralisation des moyens financiers, des pouvoirs politiques et qui génère inéluctablement le népotisme. Pour aller vers un État décentralisé, la décentralisation sera au centre de notre projet politique. C'est cela la première rupture. De manière à ce que le développement de la Côte d'Ivoire ne repose pas sur les épaules d'une seule personne, mais soit l'affaire de tous les Ivoiriens, mettre fin à l'hyper-présidentialisme auquel nous assistons à l'heure actuelle, où tous les pouvoirs sont entre les mains d'un homme qui est devenu un dieu, qui fait et défait les hommes, qui distribue les prébendes, comme nous l'observons à l'heure actuelle, et qui bénéficie en conséquence, à travers le pays, des cérémonies d'hommage, de reconnaissance, des pratiques rétrograde auquel il faut mettre fin. Parce que dans aucun pays démocratique, on assiste à des manifestations où, à coup de centaines de millions, on organise des cérémonies d'hommage à un chef d'État. Il reste dans sa fonction.